Bonjour frère et soeur, bienvenue sur ce bon, que Dieu vous protège. Waouh! Après la mort de Tibi Yeshua, un autre pasteur a failli être tué. Regardez sa voiture là-bas, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont les traces de balles. Il va nous expliquer ici comment, après le culte du dimanche, après le service à l'église, le 1er août dernier, c'est-à-dire le dimanche qui vient de passer là, quand il se rendait à l'église, des gens se sont mis, en fait, quand il a fini l'église, quand il se rendait au marché pour acheter de la nourriture, des trucs du genre, pour préparer à la maison. Des inconnus se sont mis à tirer dans tous les sens sur sa voiture. Il dit si ce n'était pas Dieu. Non, vraiment. Il va nous expliquer. Il parle en anglais. Il serait de faire attention pour vous. Écoutons. Vous pouvez également nous aider dans la traduction. Today is the 1st of August. Aujourd'hui est le 1er août. 2021. I just finished my service in my church. J'ai juste fini le service dans mon église. And we shared the grace and the people of God started going home. Et les gens retournaient à la maison. I said, let me branch to the market. There is a market called Afogi the market in Amifeke in Olo. Et il s'est dit que vous pouvez aller au marché, il a dit le lieu en même temps. Voilà. I said, let me go to the market. Il dit, bon, attendez, je vais aller au marché and buy some vegetables. Et acheter des plantes, de la nourriture pour les végétariens, quoi. For my wife to prepare lunch. Pour que sa femme puisse préparer. For us to eat. Pour qu'il puisse manger. Ladies and gentlemen, I drove out with this car. As I got to that closer to the market, a full giddy stroke, banana junction, in Amifeke, in Olo. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, I was still inside this car driving in a slow motion because I was closer to the market where I want to buy those vegetables. And gunmen gush out from nowhere. From Oporo Road, there is a road called Oporo Road that linked Afogidi in Amifeke Olo. They came out from that road. I can't come out of the car because if I come out, they might shoot at me direct. I hear the Spirit of God told me and said, son, stop this car now. Off it, lock your central lock. And lie on the floor of this car. However you will manage to lie on the floor of this car, do it now. Your life is at stake. There is a spiritual setup against you. Il dit que vraiment, à un moment donné, des choses sont sorties de nulle part. Elles se sont mis à tirer sur sa voiture. Mais juste avant ça, je me souviens que il entendait l'Esprit de Dieu lui dire, lui donner des instructions sur ce qu'il devait faire, comme fermer la voiture, faire ceci, cela, et c'est ce qu'il est en train de faire. Brothers and sisters, I quickly look for a closed space, park this car by the road, and off it, lock the central lock. And lie on the floor according to the direction of the Holy Spirit. Immediately I lied on the floor. I was even trying to arrange myself on the floor because of the seat and everything in the car will not allow you to lie direct flat on the floor. As I was managing to lie on the floor, fire on my car.
They opened fire on my car. They were shooting right to the driver's seat. They shot from the side. They shot from behind. They shot everywhere. Even they tried to shoot my fuel door, fuel tank door. Il dit que, genre, dès qu'il s'est garé, quoi, si j'ai bien compris, hein, vous mettez attention, mais apparemment, dès qu'il s'est garé, là, il dit que l'Esprit de Dieu lui a dit de fermer, de faire certaines choses, mais, et puis qu'il va sortir, qu'il se couche carrément sur le sol. Il dit que dès qu'il a fait ça, il a entendu des bruits, des gens en train de tirer sur sa voiture. Et ces gens-là ont arrosé la voiture-là de A à Z. Et c'est ce que c'est de quoi il s'agit. Seigneur, l'homme noir. Thinking that the fuel tank door is at the driver's side, not knowing that the fuel tank door is at the passenger side, they didn't know. They were shooting at the position where the fuel tank is positioned at the driver's side, but not knowing that it is not there. And they were shooting at me. Ladies and gentlemen, they shot at me for more than 5 minutes. They got tired of shooting and they drove off. So the first one, vraiment, donc les gens tiraient sur lui. Ils ont tiré sur lui pendant 5 minutes. Bon, pendant quelques minutes. Mais vraiment, tu l'as protégé. Seigneur. Seigneur, c'est ici. Donc ça, là, ça serait un rip encore. C'est un rip. Après, c'était affaire de type de choses. C'est encore un autre rip encore pour le pasteur. Vraiment, mes frères et sœurs, vraiment. Nous devons nous laisser quitter battu chaque jour. Que tu nous quittes, quoi. L'ennemi du policier, c'est le policier. L'ennemi du chanteur, c'est le chanteur. L'ennemi du pasteur, c'est le pasteur. L'ennemi du cuisinier, c'est le cuisinier. L'ennemi du chef cuisinier, c'est un autre chef cuisinier. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré un homme du nom de chef. Allez voir dans la vidéo précédente. C'est un célèbre chef cuisinier au Nigeria. Le cas, il a été retrouvé mort. Il s'appelle Emeka Elogu. Et de la manière dont tu es le monsieur, c'est comme ça, c'est trouvé dans un film d'horreur, quoi. Ils l'ont mis nu, ils l'ont étranglé. Il y a beaucoup de déchirures sur lui. Non, c'est pas possible. Ils l'ont étranglé à mort. Vous n'imaginez pas la souffrance de ça. Que se passe-t-il au Nigeria? Que se passe-t-il? Nous devons prier pour le pays. Et nous devons aussi nous lever pour assurer la sécurité, être vraiment très vigilant. The devil at work. Le diable est au travail. Priez avant de sortir, priez avant de dormir. Et soyez vraiment très vigilant. Dieu dit veillez et priez. Veillez et priez, celui qui veille a les yeux ouverts. Et nous devons prier. Vraiment, c'est un choc. Dites-moi ce que vous pensez, vous devez vous prochainement.